Salut Lion, c'est moi qui fais le tirage pour l'énergie des 2 premières semaines. Je dis la première semaine ou les 2 premières, le début de juillet. Ok, donc je sais pour l'énergie du début de juillet, comme j'ai déjà sorti pour l'énergie générale du mois de juillet. Je t'invite encore une fois de regarder ta lune, ton soleil ou encore ton rising, ton ascendant. N'oublie pas aussi de parfois regarder, par exemple, le tirage de juillet, le global, mais pendant le mois de juillet. Ok? Parce que des fois, on ne se rend pas compte vraiment de ce qui se passe dans le moment, puis les messages viennent un peu plus tard. Okay? Donc, on y va pour le début juillet, pour la première semaine, deuxième semaine, pour Lyon. Qu'est-ce qu'on a pour eux pour les aider à s'aligner davantage dans leur purpose? Okay. Donc, en ce moment, tu as une situation qui est bénéfique pour toi, mais tu ne le vois pas. C'est-à-dire que ça pourrait être léger, mais tu ne maintiens pas cette énergie-là en toi. Et puis, il y a le thinker à l'envers, donc possiblement de l'anxiété ou encore, tu ne sais plus trop où donner de la tête. Donc, j'ai envie de te dire de te grounder, okay, pour le mois de juillet. On a comme deux banderoles. Étrangement, c'est comme si la carte était très semblable. En fait, on a le 48-44 ici, mais il y a un 4 qui manque. Donc, une manifestation de soi qui manque. Ok, regarde les deux cartes ici. Poise du soi, être la satisfaction complète et l'élévation de soi, puis le thinker. Donc, on est comme un peu à l'envers. J'arrive pas à m'élever parce que je suis comme pris dans une boîte mentale. Ok. Pourtant, il y a plein de vœux qui sont là juste devant toi, puis c'est comme si tu les prends pas. Ok, on va aller clarifier ça pour Lion. Donc, Lion, qu'est-ce qu'on a pour toi? On va aller clarifier Poise. Ouais, il y a comme un choix que tu as à prendre, puis une figure autour de toi ou toi-même, ok, ou quelqu'un qui serait dans l'air qui est comme un peu trop froid ou tranchant, puis toi, ou la personne est anxieuse, ça dépend si elle est alignée ou non, mais ça peut être quelqu'un de très intellectuel ou qui se montre assez tranchant, mais j'ai envie de te dire que toi aussi tu peux trancher, ok, toi aussi tu peux avoir quelque chose à dire là-dedans. Est-ce que vous avez une autre carte pour Poise? Merci. C'est en lien avec les finances, comme s'il y avait des restrictions au niveau des finances ou que, oh, là, c'est comme, on peut-tu comme partager? Ou, ça peut être pas nécessairement l'argent, mais aussi l'amour ou les émotions, ok? Ok, puis tu te sens pas guidé dans l'espoir en ce moment, là. C'est comme, t'as une action à prendre, mais c'est comme si les pièces du puzzle n'étaient pas encore assez claires pour toi. Donc, ici, on a le thinker qui est en train de réfléchir, 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 et puis qui doit peut-être prendre une décision, mais qui arrive pas. Thinker, thinker, thinker. L'ermite à l'envers. Est-ce que tu passes trop de temps dessus? Est-ce que tu prends trop de temps dessus? Ça va vite, on dirait dans ta tête, là, t'es comme, ça va trop. Je suis tout le temps seule ou je suis triste, ou il y a comme un état dépressif qui se maintient dans ton énergie présentement, mais j'ai l'impression que c'est pas nécessairement toi qui maintiens cette énergie-là. Retourne à ton étoile intérieure, retourne à qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse, Lion. Okay? Ici, avec l'as de bâton, c'est comme si les choses n'allaient pas assez rapidement, possiblement. Hein? Les choses sont pas assez vite, ou je sais pas quel est le premier, tu vois? La situation divinement guidée qui n'est pas guidée, je me sens pas guidée, je sais pas où aller encore, je suis comme traînée par l'arrière, par le passé, mon cœur est un peu serré, je vois pas l'espoir dans la situation, qu'est-ce que je dois prendre comme action justement? Regarde, il y a beaucoup de bâtons tenus, comme si tu avais vraiment la possibilité d'agir, mais que tu as un petit blocage peut-être. Indépendance à maintenir. Est-ce que tu veux trop être indépendant ou indépendante? Peut-être que tu devrais aller vers des amis ou vers des gens pour aller décompresser un peu. On va aller clarifier l'ermite. Ouais, c'est comme, mais je me sens pas prêt à aller de l'avant. Je me sens pas prêt à aller me battre. Ok, puis tu te sens pas non plus solide en ce moment, mais encore là, c'est des pensées qui, avec lesquels t'as pris fin, comme, non, je suis victorieux présentement, puis j'ai pas envie,
de me battre. Okay? C'est comme si que, là, en ce moment, tu sens que tes relations autour de toi, c'est plus des disputes ou des batailles qu'autre chose. On a encore le 6 de pentacle à l'envers. Comme si tu n'arrivais pas à voir la création possible ou l'égalité dans ce que tu investis dans les gens, à part dans cette union-là. OK? Mais encore là, cette union-là, il y a des petites disputes qui prennent part. J'ai envie de te dire qu'il y a comme un manque de balance présentement dans ta vie. OK? Là, tu vas me dire que je dis souvent ça, OK? Mais quand les choses ne tournent pas rond, c'est parce qu'on a oublié quelque chose. On a oublié de maintenir son énergie à quelque part ou d'aller remplir notre coupe à un autre endroit. OK? Pourquoi tu sens qu'il y aurait des conflits? C'est peut-être dans ton mental que tu maintiens cette énergie-là, là, que j'ai pas envie de me battre. Mais il y a rien qui te dit qu'il y ait bataille. OK, Lion? C'est en soi, là, que tu crées ça. Peut-être aller voir où sont tes peurs reliées à la situation que tu nourris dans ta tête. Écris, je sens que je vais me chicaner avec telle personne parce que je sens que si je maintiens cette relation-là, je vais toujours être dans... Tu sais, comme, va voir, ça vient d'où, OK? Je vais juste aller prendre ça pour... Ben c'est parce que tu n'as pas envie de débuter quelque chose, un nouveau projet. Tu es comme pas envie, t'es comme un peu blasé, possiblement, ce mois-ci. Parce que tu restes dans tes vices, tout simplement. Mais ça te rend anxieux, rester dans ces vices-là. Écoute, prends ton temps, là, de toute façon, tu as le mois de... Ça va être ton mois, là. Fait que si tu as besoin de restaurer ton énergie, c'est le temps. Parce que là, en ce moment... On est dans le cancer, puis bientôt, c'est ton temps à toi. Fait que là, c'est le temps de remettre les choses en perspective, puis de se remettre un peu en ordre, prendre choix tranché. C'est le temps maintenant, Lion. Allez, là, je te parle un peu dur, mais là, tu sais, ça va bien, là, ça va bien aller. Quels sont tes souhaits? Réfléchis un peu là-dessus, mais sans trop réfléchir, passe à l'action. C'est comme il y a un manque d'action, là. OK? Il y a une chanson qui revient tout le temps. Pourquoi elle revient tout le temps, cette chanson-là? Sois attentif. OK? Je t'embrasse. Prends soin de toi, Lion. Bye.